Bonjour à tous. Bonjour, unboxing de la... luxe. Alors c'est sorti pendant que j'étais en vacances et on l'a reçu pendant que j'étais en vacances. Donc on s'est croisés. Facile à unboxer. Voilà, il y a rien de plus simple. Dans le couvercle, le petit lien, comment ça marche. Il y a beaucoup de bonnes idées dans la vidéo explicative originale. Et en français, je l'ai pas vu moi encore. Ouais, bah après elle est longue. Hein. Et en français, on reprend deux idées, la croix sur le bras avec le spectateur et également le tour du jeu invisible, ça vous donne, et plus les idées qu'on vous donne à haute voix. Mais voilà. Très bien présenté. Ouais, super propre. Petite boîte avec de la mousse dedans qui tient les... Je vais mettre là, hop, plus simple. Qui tient les objets. Ouais. Et on reçoit un stylo, hop, qui n'est pas truqué du tout. Non, encruvé. Qui est encruvé, donc il est labellé sur le nom du tour, mais... N'importe quel stylo à encruvé pourrait fonctionner, c'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'il n'irrite pas la peau, parce que bah, on ne sait jamais l'encre... On s'écrit dessus, ouais. Voilà. Enfin, donc l'encruvé, c'est plus ou moins ce qui est utilisé aussi pour les billets. Ah bon? Pour savoir si c'est vrai ou faux? Je pense que c'est ça. Au-delà du fait que ce soit vrai ou faux, peut-être que dans les croyances populaires, ça peut être le cas, et du coup, on peut faire une routine avec... Et... Bah, le gimmick. Que je te laisse présenter. La petite lampe qui est en fait un gimmick, elle fonctionne avec des piles et ce n'est pas rechargeable. Mais c'est bon. Genre petite pile bouton. Exactement. C'est très facile à changer. Hein. Vous avez une petite partie en silicone dans laquelle sont placées les piles. Et du coup, bah, après, derrière. C'est les mêmes piles si vous avez, moi j'avais un pointeur laser comme ça. Ouais, exactement. Et là après, bah, vous pouvez avoir votre lumière. Et l'idée étant que cette lumière, elle vient révéler ou non la... Une croix, quelque chose d'écrit, une inscription. Une prédiction. Voilà. La vraie force de ce produit, c'est cette lumière et c'est surtout les applications. Parce que la lumière, elle prend pas de place. Le côté portable est très intéressant. Et c'est surtout toutes les applications... On réfléchissait avec Johan en live la dernière fois sur le côté, est-ce que trop visuel, ça donnerait pas peut-être... Le spectateur va pas se dire, bon, bah, ça doit être de l'encre qui réagit à la chaleur ou qui s'évapore. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, est-ce qu'on perd pas un peu le côté magique en utilisant le côté visuel, que vous pouvez faire d'ailleurs? C'est une question qu'on s'est posée. Bah, c'est arrivé. Moi, je sais que j'ai la réflexion là sur plusieurs tours où effectivement, des fois, je trouve que le côté « je mets la main, ça change », c'est plus magique que je suis comme ça et ça change, je me dis ok, l'objet est truqué. Ouais, il y a un truc, ouais. Mmh. Alors que là, bon, bah, vous pouvez, de toute façon, vous avez l'outil, donc vous faites la routine que vous voulez. La routine que j'ai montée, moi, c'est avec le jeu, on va pas faire la démonstration, on la fera sûrement en boutique. En live. Avec une petite présentation avec une carte et un jeu. Un peu une variation de ce qui est expliqué dans la vidéo originale, mais à ma sauce, et c'est très intéressant. Donc vous verrez ça dans la vidéo explicative en français. Et après, bah, vous pouvez faire évidemment la croix sur le bras du spectateur. Ou sur votre main, qui un peu comme double cross, où vous faites la croix sur votre main, la croix disparaît de votre main et elle apparaît sur la main du spectateur. Alors c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse, pardon. Oui, parce que c'est pas... Ou alors, faudrait avoir un tampon et donc là, oui, non, mais t'as raison, c'est l'inverse. Mais l'avantage ici, c'est que au-delà de le comparer à double cross, bah, vous pouvez avoir la lampe dans les mains du spectateur tout le long. Oui. Vous avez différents modes dans la lampe qui vous permettent de ne jamais avoir à reprendre la lampe dans les mains. Donc c'est très intelligent. Et c'est surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est le côté j'ai mis le trucage là où les gens n'auraient pas mis le trucage. Moi, si on m'avait demandé de faire ça, j'aurais dit c'est le stylo. Voilà. Ouais. Et en fait, non, la vraie bonne idée, c'est d'avoir tout mis dans la lampe qui a été fabriquée sur mesure, à mon avis, parce que c'est pas possible qu'il y ait des choses. Enfin, c'est pas possible, on sait jamais. Hein, mais, bah, où ça existe et ça sert à autre chose. Et je sais pas à quoi ça peut servir autre que ça. Mais c'est super intelligemment pensé. J'avais très peur que ça marche pas dans des conditions de lumière un peu naturelles. Ah, si, ça marche très bien. Parce que moi, tu me l'as fait dans le magasin. Et dans le magasin, il y a des spots partout. Dans tous les sens. Et du coup, bah, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a beaucoup d'applications. Honnêtement, c'est un produit et c'est une vraie nouveauté. Dans le sens où bah, c'est pas il n'y a pas d'aimant, il y a pas de... on apporte une vraie... Moi, j'imagine que l'UV a déjà été utilisé en magie avant, mais... Ouais, mais pas ça apparaît, disparaît. Ouais. Enfin, à ma connaissance, il y avait eu quelque chose, mais c'était même pas UV. C'était une encre spéciale, où c'était Polaris, je crois, qui avait fait ça, où on chauffait, on avait une croix aussi, et on chauffait, enfin, on mettait la main, et la croix disparaissait, elle apparaissait ailleurs. Mais c'était pas le même procédé. Je pense que c'était là, pour le coup, une encre qui réagissait à la chaleur. D'accord. Là, pas du tout. Et du coup, bah, on nous a demandé si des recharges étaient disponibles. Bah, théoriquement, vous pouvez utiliser n'importe quel stylo UV. Bah, oui. L'important, c'est juste d'avoir... Et les recharges pour la lampe, bah, c'est des piles. Donc, bah, vous mettez des piles dedans. Ils disent que ça dure 6 mois de temps, la durée de vie des piles dans la lampe, sachant qu'il y a un mode qui éteint au bout de 90 secondes
d'inutilisation, la lampe, elle s'éteint toute seule. Puis on en revient toujours au même, ça dépend de l'utilisation qu'on a, si on le fait H24 pour ça, voilà. Ouais. Mais c'est un super bon produit avec une vraie bonne idée derrière, et l'effet est bluffant. Ah, puis c'est bluffant, ça bluffe bien. Luxe de Lloyd Barnes, c'est disponible chez Magic Dream, vidéo explicative en français, et il nous en reste plus beaucoup jusqu'à le... Quand je suis arrivé, je me suis dit, oula, il y en a beaucoup, comme ça arrivait pour que j'étais pas là. Ça part à une vitesse folle, donc ne tardez pas si vous souhaitez le vôtre, c'est vraiment magique, c'est bien. Même quand on se le fait soi-même. Après, je pense que c'est quelque chose, de par... c'est distribué par... Murphy's. Donc, je pense que c'est quelque chose, même s'il y a une rupture, qui sera toujours réapprovisionnée, puisque si ça marche bien, ils n'auraient pas de raison... Ils n'auraient pas de raison. Ils auraient pas de... Allez, Becherel. À bientôt. Non, mais c'est vrai que devrait y en avoir. Mais voilà, là, on en a encore quelques-uns en stock. Ne tardez pas si vous souhaitez le vôtre. À bientôt. Bye bye. Bye bye.